Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Pour quelles raisons le vendeur vend ? Si vous êtes en recherche immobilière pour un investissement, même pour une résidence principale, eh bien, vous devriez, c'est une question en tout cas que vous ne pouvez pas ne pas poser. Et il faut aussi savoir entendre la réponse. Parce que souvent, ce qui se cache derrière, c'est eh bien, le fait qu'on pense qu'il y a une raison suspecte. En fait, c'est souvent ce que j'entends. Alors, on peut lister toutes les bonnes raisons qu'a un vendeur de vendre. Alors, premièrement, il peut vouloir récupérer de l'argent pour acheter sa résidence principale. Donc ça, c'est un motif très courant. Il peut vendre également ce vendeur pour acheter sa résidence secondaire. Il veut se faire plaisir, ça fait des années qu'il est propriétaire, il veut s'acheter un chalet à la montagne ou quelque chose à la campagne au bord de mer. C'est une autre possibilité. Ou alors, cette personne, elle est en divorce, donc bah, elle a besoin d'argent pour la prestation compensatoire et d'autres choses, et faire des arbitrages. Ou alors, autre événement de la vie plutôt heureux, bah, la personne se met en couple, les familles recomposées, et donc bah, on repart sur une nouvelle acquisition, donc on vend un bien immobilier ou une résidence. On veut encore faire un arbitrage, c'est-à-dire solder un prêt et puis emprunter pour faire un autre projet. On peut avoir fini de défiscaliser avec des biens qui atteignent la fin des dispositifs, soit dans le neuf par exemple, et là bah, ça devient pertinent de revendre. On veut, où la personne a fait des travaux et puis elle a aussi défiscalisé, ça peut être du déficit foncier. Et puis tout simplement, ça peut être le fait de rapatrier de l'argent, puisque en revendant, un vendeur peut encaisser une plus-value confortable de plusieurs dizaines de milliers d'euros, montant qu'en conservant le bien, elle doit attendre plusieurs années. Donc ça peut être pertinent. Un bien immobilier qui a 10 ans, 15 ans, ça peut être pertinent pour un propriétaire, pour un investisseur, de revendre est plus pertinent que de le conserver. En tout cas, voilà toutes les bonnes raisons qu'a un propriétaire de vendre. Donc, parfois, les personnes cherchent s'il y a une opportunité. Alors déjà, elles cherchent s'il y a quelque chose, une erreur, un vice caché, si les locataires sont à jour des loyers, s'il n'y a pas un problème quelque part. Donc en fait, si vous cherchez des sujets, vous allez pouvoir en trouver en faisant des investigations, une enquête, sauf que ce sont des faux problèmes. Un bien peut se vendre, ça peut être une bonne affaire et se vendre pour des raisons tout à fait légitimes et normales de la part d'un investisseur. Et aussi une autre question qui revient souvent, c'est donc si c'est une si bonne affaire que le vendeur vend, eh bien pourquoi l'agent immobilier qui me le propose ne l'achète pas lui ? Alors il faut savoir aussi que un agent immobilier, il a un statut d'agent commercial qui n'est pas un profil très bon pour un banquier. Donc souvent, un agent immobilier peut véritablement proposer des bonnes affaires et ne pas pouvoir financièrement se positionner dessus, même si elle est très bonne, ou ne pas tout simplement le souhaiter parce qu'il est juste pas dans une phase d'acquisition, ou alors il a sa résidence principale, ou en tout cas, c'est aussi pour des bonnes raisons que l'agent ne le prend pas. Donc tout ça pour vous dire que c'est une question que vous devez absolument poser systématiquement. Pourquoi le vendeur vend ? N'hésitez pas à la poser et vous verrez, évidemment, vous me direz, l'agent immobilier ou le propriétaire, il est libre de vous répondre ce qu'il veut, et c'est vrai, mais après, il faut vous fier à votre instinct, il faut le vérifier derrière, il faut valider, il faut voir avec le notaire qui vous accompagne dans la vente si tout ce qui s'est dit est vérifié, est vrai, et vous connaîtrez tout simplement la vérité. Et en tout cas, ne voyez pas dans le fait d'une vente quelque chose de problématique ou de quelque chose dont on veut se débarrasser. En tout cas, c'est souvent visible, donc c'est pas la peine de chercher des raisons qui n'existent pas. Voilà pour la vidéo de jour. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. S'il y a d'autres questions que vous avez, allez mettre dans les commentaires sous la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Tu auras d'autres visites de biens immobiliers ou d'emplacements, immeubles de rapport, appartements et autres. Et enfin, à vous abonner à liste email dont je mettrai le lien sous cette vidéo dans la description, afin de recevoir en parallèle des vidéos des conseils par email. Voilà, des retours d'expérience du terrain. Merci de regarder cette vidéo. À bientôt pour les prochaines.